Alors, là, on va voir le biofiltre fruitier de Campel. Donc déjà, c'est quoi un biofiltre? C'est un système de lagunage de phytoépuration. Donc vous pourrez aller voir sur le site de Joseph Orzag, autarcie, ou sur le site de Eau Vivante. Ils expliquent très bien ce que c'est qu'un biofiltre et les systèmes de biofiltration. Et là, c'est un peu particulier. Donc en fait, c'est un système, vu qu'on a un épandage par lagunage qui marche pas très bien et qui pollue la nappe phréatique quand on envoie ça dans le fossé. Du coup, le design, c'était que ben, pour toute cette zone-là, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'irrigation. C'était comment récupérer toutes les eaux usées de la maison qui partent dans le fossé pour faire un système qui produise des fruits, des légumes et des aromatiques. Donc, en gros, l'eau revient du système de lagunage, arrive en haut. Là, ça passe dans un dynamisateur, donc vous aurez qu'à regarder, j'ai fait une vidéo sur le dynamisateur d'eau, hein, c'est un système avec des billes dedans qui force l'eau à faire des vortex. Ensuite, ça arrive dans ce tube-là qui est rempli de charbon. Ensuite, ça arrive dans ce tube-là qui est rempli de pouzzolane. Et ça vient se vider dans ces deux bacs-là. Donc ici, c'est des plantes de ce qu'on appelle de ripisylve de zone humide, donc ont un fort pouvoir dépuratif. Et c'est surtout les bactéries en fait, avec lesquelles elles rentrent en symbiose qui ont tendance à manger tous les nutriments, les excès de phosphate, d'azote, donc les résidus de savon. Donc ça va commencer par être filtré par ça. Donc il y a de la menthe, il y a de l'Utunia cordata, c'est de la coriandre vivace. En dessous, c'est des fraisiers. Et j'avais mis un kiwi l'année dernière, un kiwai précisément. Donc c'est pareil, c'est des plantes qui sont très gourmandes en eau, les kiwis et les kiwai. Donc ensuite, ça se vide dans un dernier bac qui est une réserve d'eau et qui vient se vider dans ce bac-là dans lequel on met des légumes qui vont être gourmands en matière organique et en eau aussi. Donc les cucurbitacées, on les voit souvent pousser dans le compost, ils aiment bien la matière organique en décomposition. Et donc il ne faudra pas mettre des légumes qui sont assez fragiles comme des choux, de l'ail, tout ça. Vous êtes quasiment sûr qu'en arrosant avec des eaux riches en nutriments, vous les faites pourrir. Donc là, c'est important de mettre des séquences végétales, des plantes qui vont être capables, en fait, et surtout qui vont avoir besoin de beaucoup de nutriments et de beaucoup d'eau. Alors la courgette, ça n'a pas besoin de particulièrement beaucoup d'eau, mais par contre, ça peut tolérer qu'il y ait beaucoup de nutriments. Dedans, là, on voit une aubergine, des courgettes, il y a des fraises. Là, il y avait un plant de tomate, mais il n'est pas bien poussé. Du basilic. Et ici, un potiron. Et donc à terme, il y aura des kiwis qui vont partir d'ici, qui courront sur tout le long. Et le but, c'est vraiment transformer nos eaux usées en nutriments, en nutriments pour nous, en nourriture. En nourriture, en plantes condimentaires. Alors, il y a un petit danger, il y a un petit bémol, c'est qu'à la suite, à la sortie de vos eaux usées ou alors de vos systèmes de compostage de toilettes sèches, vous allez retrouver vos propres microbes, enfin vos microbes, vos parasites. Donc des bactéries, des coliformes fécaux. Et donc du coup, si vous mangez les fraises comme ça, qui sont en contact avec la terre ou avec l'eau, vous risquez de choper ces bestioles. Donc vous me direz, dans l'absolu, c'est pas bien grave parce que c'était votre caca, c'est vos bestioles, si vous les remangez, vous n'êtes pas plus infecté que ce que vous avez déjà. Le problème, c'est quand vous invitez des gens chez vous, ils vous amènent leurs bestioles à eux, et quand ils mangent vos fraises, ils chopent vos bestioles à vous. Donc c'est indispensable que les fraises elles pendouillent et qu'elles ne soient pas en contact avec l'eau. Ici la menthe, on va la couper en hauteur et surtout pas prendre la menthe qui est en contact avec l'humidité. Et dans l'absolu, plus on va faire cuire ce qu'on sort du système, moins on a de chances de pouvoir être intoxiqué. Enfin, intoxiqué, parasité. Donc il faut savoir qu'il y a une législation sur l'eau qui est assez draconienne. Les mairies interdisent, vous n'avez pas le droit de mettre les mains dans un fossé en fait, parce que si jamais vous mettez les mains à la bouche et que vous vous intoxiquez, c'est le maire qui est responsable. Donc plutôt que de se charger de faire en sorte qu'on pollue pas tout, ils préfèrent mettre des lois qui interdisent de mettre les mains dans le caca. Comme ça, ça fait que si jamais on met les mains dans le caca, on est responsable en fait. Donc en gros, si vous jamais vous faites des choses comme ça chez vous, il faut savoir que vous êtes vraiment hautement responsable de ce que vous êtes en train de faire, que a priori la législation française interdit ça parce qu'on ne mélange absolument pas la production alimentaire et le traitement des déchets, on fait en sorte que ce soit bien séparé. Et là, ce système montre la jonction
donc de comment on peut arrêter de polluer les nappes phréatiques bretonnes. Il faut savoir qu'on a quasiment les eaux les plus polluées de France. Tout en transformant ça en nourriture. Là où on peut voir sur le côté, là qu'on nourrit l'humanité avec des produits transgéniques, toxiques, dont ça a été démontré. Donc là, on voit du maïs hein, qui doit sûrement être transgénique, qui est traité à fond contre la pyrale. Et donc, on va tolérer en fait que les gens ils puissent s'empoisonner avec des produits pétrochimiques, mais par contre, on va interdire que les gens s'intoxiquent avec leurs propres microbes. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de transformer le problème eau usée qui pollue les rivières, les nappes phréatiques et les estuaires bretons, et de faire en sorte que ce lieu-là, à Campel, bah, ça ne participe pas à le fait d'abîmer l'environnement. Et si possible, si en plus on peut avoir plus de fruits, de légumes et de plantes aromatiques, donc le but de ce biofiltre, c'est de faire ça. Donc c'est important de mettre ça, de mettre le grillage par-dessus pour éviter que vous ayez des plaintes de moustiques, parce que vu que c'est vos eaux usées, bon cela dit, ça fait la même chose dans le fossé, hein, les moustiques ils vont se reproduire dans le fossé, mais vu que là on fait les choses, on essaie de les faire sérieusement, des moustiques qui viennent se reproduire dans vos eaux usées, ils risquent de refiler des microbes aux voisins. Donc c'est important de faire en sorte que les insectes n'aient pas accès à l'eau. Et donc ben là on a planté les plantes un petit peu tardivement, mais donc je referai une vidéo quand ça aura un petit peu mieux poussé et quand il y aura un peu plus de résultats. Donc bah, suite au prochain épisode.